Aïe, salam alaikum ya hababi. C'est pour ça que quand l'homme marche avec la femme, il cherche à l'attraper comme ça. Parce qu'il est à la recherche de la côte perdue. Oui, mais quand tu retrouves cette femme-là, ça ne fait plus deux, ça fait un. Parce que Dieu a pris la côte de l'homme, donc c'est la même côte qui est revenue. Donc, dans un couple, on ne doit pas vivre dans la supériorité ou l'infériorité, mais la complémentarité pour pouvoir radier à travers le monde. Oh, 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 Miss Mtare. Oh, 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 Miss Mtare. Oh,
rivière où il y a beaucoup de gens qui lavent les habits, qui déversent l'eau sale dans la rivière. Et il y en a d'autres qui se baignent à l'intérieur. Et il y en a d'autres qui font leurs besoins dans l'eau. Et le soir, il y a des femmes qui portent l'eau pour aller boire, soi-disant que c'est l'eau potable, alors que l'eau n'est pas potable. L'association des hippos se bat pour installer l'eau potable à Bamako, pour installer l'eau potable au Mali. Et souvent, on dit que quand on apprécie une femme, ou quand on dit qu'un homme est fort, on dit que derrière un homme fort, il y a toujours une femme qui est forte. Mais là, derrière une femme forte, il y a un homme qui est fort aussi. Il y a une famille qui est forte. Il y a une association qui est forte. Il y a des êtres humains qui pensent aux autres. Quand j'étais petit, ma mère m'a appris à regarder l'être humain à travers le cœur, ne pas regarder la couleur, ne pas regarder les yeux, ne pas regarder les habits, ne pas regarder les baskets, mais regarder le cœur de l'être humain. Amitié. Merci à vous. Thank you.
Yeah.
été possible.